Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec toute l'équipe. Est-ce que vous allez bien les frères? Ça va très très bien. On n'a pas toute l'équipe. Enfin, il y a Jinxi, Michou, moi, mais il n'y a pas toute l'équipe. Non, il n'y a pas toute. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas toute l'équipe. Ouais, il n'y a pas toute l'équipe. T'as menti. Ouais, c'est vrai, il n'y a pas toute l'équipe. Il n'y a pas Timou. Aujourd'hui, Bucket List épisode 2. On avait fait le premier épisode il y a un an. Et aujourd'hui, on a 24 heures pour réaliser 100 défis. Chaque défi rapporte des points. Et contrairement à l'épisode 1, là, il y a vraiment un barème de points où il y a des défis qui valent 10 points. D'autres 5, d'autres 3, d'autres 2 et d'autres 1. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention. Frérot, les. Ah, mais vas-y, tu. Rougis, caca liquide. Non, il a un cœur dans le cul. Je m'attendais pas à ça. Dites-moi, c'est quoi? En plus, il a un caleçon gris. Donc, les frérots, les équipes, c'est Jinxi et Billy, première équipe. Et la deuxième équipe, c'est moi et Mich. On aura 24 heures pour réaliser les 100 défis. Mais où sont les 100 défis? Les amis, sur tous vos téléphones, vous allez recevoir un lien sur le site d'Odoo. C'est simple, efficace. Tout le monde, si vous voulez créer un site facilement, vous pouvez aller sur Odoo. Et ça permet de créer des sites. Donc, c'est incroyable. Et oui, les amis, vous avez bien entendu, Odoo est une plateforme qui réunit plusieurs applications pour la gestion d'entreprise. Une des applications permet de créer rapidement en seulement 4 étapes votre site internet et de le personnaliser à votre image grâce au configurateur de site. C'est hyper simple, il s'agit de cliquer et glisser des blocs. Vous pouvez construire votre site, changer les photos, ajouter du texte, changer la typographie, les couleurs, les animations, tout ça sans aucune compétence technique. Et ce qui est carré avec Odoo, c'est que la première application est offerte à vie, donc vous pourrez créer votre site web gratuitement. L'hébergement du site et le support sont inclus de manière illimitée et vous bénéficiez également d'un nom de domaine personnalisé offert pendant un an. Pour l'occasion, on a créé notre propre site où tous les challenges de la bucket list sont disponibles. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez même proposer vos idées pour un potentiel épisode 3. Rendez-vous sur le site en description, vous trouverez un petit formulaire qu'il faudra remplir. Let's go, bonne vidéo à tous. C'est parti. À partir du top, on aura 24 heures pour réaliser un max de défis. Et demain, à 11h, on se fera rendez-vous ici au même endroit. Et on calculera qui a le plus de points et qui a gagné cette vidéo. Mais juste, je sais pas qui a eu l'idée du duo, mais c'est de la folie. Genre, c'est qui a perdu pour vous? Frérot, non, deux électrons. Épisode 1, t'étais avec Amine. Vous étiez monstrueux. Mais Amine, c'est un crustacé, enfin, il fait rien, tu vois. C'est toi qui parles, frère. Jules et moi, on a envie de mourir tous les deux, je pense. Frérot, on est sur ton terrain et on va t'allumer sur ton terrain. Vas-y, on va faire. Voilà. Dis-toi, demain, nous, à 10h30, on est là, on a fait 3 quarts de défi. Ok, ça marche. On est en avance, carrément. Ah ouais, est-ce qu'on peut être confiant et être là, genre même à 8h du matin, on les éteint? Si vous êtes en retard, c'est des points en moins. Et si on en avance, c'est des points en plus? Si vous êtes en avance, non. Être en avance, être à Les amis, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si vous voulez un épisode 3. Sur ce, il y a un lien aussi avec l'insta. Combien de pouces bleus? Tu veux combien de pouces bleus? L'insta Timou, à 300 000 pouces bleus, Yuki, on le met dans une famille d'accueil. Ouais! Et à 400 000 Timou, on le met dans une famille d'accueil. Ouais! Bon, les frérots, assez bavardé. À mon top, tout le monde se disperse. Vous prenez votre sac avec votre caméra. Vous avez le site, vous pouvez regarder tous vos défis. Vous pouvez brainstorm. Mais à partir de maintenant, c'est rendez-vous 11h demain. Celui qui a gagné le plus de points. Ok, let's go. C'est parti, let's go. Frérot, le temps nous est compté maintenant, Mich. Allez, bisous, ils sont trop confiants. À demain. Frérot, j'ai une méta de fou. Filmer, ça a été plus chiant à Camille. C'est ce que je me dis. On va trouver un abonné en bas de Webedia. Il y a toujours 2-3 abonnés. On le paye toute la journée. On le paye. On va dire, tiens, on te paye, suis-nous et filme-nous. J'appelle Manas et je le paye. Il nous cadre aujourd'hui. C'est vraiment un cheat code de fou. Putain, mais ils vont me manquer en vrai. Moi, je les aimais bien, les gars. Ouais, ils étaient cool en vrai. On va passer 24 heures tous les deux. Putain, casse les couilles, vas-y. On est ensemble. On est ensemble, frérot. On est ensemble et on va pas dormir. Frérot, il y a pas de dodo la dernière fois. Oui, je connais. Ce soir, pas de dodo. Je connais. Pas de dodo. Oui, oui. Toi avec Elsa, tu fais pas de dodo. Toi avec Elsa. Non, surtout avec toi. Non, attends, laisse-moi parler sur les vrais sujets. Avec Elsa, y'a pas de dodo. Attends, mais on vient, on perd du temps là en fait. Non, mais c'est vrai. Oh, les copiers. On a déjà fait un défi. Vous nous copiez. Mais non, on a déjà fait un défi. Non, je crois pas. Vous connaissez même pas les défis. Mais on vient de regarder. Déjà, dis-toi, on a 2 points déjà. Ça, c'est du bureau. Voilà. Ça, c'est du bureau de brainstorm. Attends, mais leur pièce, c'est le bureau du patron du coup là. Ouais, on va leur dire, on était là. Eh bien on les suit toute la journée. Oh, les parasites. Non, on fait que de la défensive. Eh, on était là, ouais. On était là, non, les gars. Mais, vous êtes malade. Non, je suis là, il y a 2 secondes. Non, mais là, vous nous sucez là. Mais on était là avant que vous arriviez. C'est pas du tout. Allez, Jinxi, assieds-toi, je passe sous le bureau maintenant. Non, mais laissez-nous briller. Allez, on règle les problèmes. Eh, on fout le bordel et on dira que vous allez foutre le bordel. Vas-y, on dira qu'on a foutu le bordel aussi. C'est du sabotage. Mais c'est quoi ça? Équipe Inoxac, 2 frères, 2 fauves. Équipe Billy, 2 monstres physiques, chacun à sa façon. Ah ça va. Ok ça va, mais on n'a pas de photo. Attends, défi à 20 points. T'as bien assis-toi ça. 20 points? Se faire tatouer un donut sur les fesses. C'est pour toi ça frère. T'as un bras le site, c'est Odoo frérot, moi je préfère l'eau pétillante. Deuxième c'est dormir toute la nuit dans un Ikea. Alors ça...
Oh par contre ça, c'est que moi je suis chaud. Organiser une soirée de plus de 20 personnes. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va le faire. Faire un stand-up d'au moins 3 minutes dans un bar café. Ça c'est chaud. Parler dans un speaker dans une gare SNCF. Faire un DJ set pendant 15 minutes, c'est-à-dire faut aller à un endroit et faire le DJ pendant 15 minutes dans une soirée ou une boîte. Incroyable. C'est dans l'émission Gotaga, j'en appelle Gotaga maintenant. Attention, j'appelle Elise direct, je demande. Je t'explique, avec Billy là on est en tournage pour Inox, on doit faire des défis. Il y a un défi qui est de s'incruster à l'émission de Gotaga ce soir. Est-ce que c'est possible déjà? Oui. Juste on passe une tête, tu vois, histoire de faire le défi. Ok vas-y, bah est-ce que du coup on vient, mais est-ce que du coup si Michou et Inox ils t'appellent, tu leur dis non? Comme ça tu nous réserves la place pour nous, comme ça c'est nous qui faisons le défi. Tu leur dis non ce soir les gars, franchement c'est trop carré. Enfin, on a trop prévu le truc, c'est relou. Et comme ça, nous on vient. Vas-y, au top, t'es au top. S'incruster dans l'émission de Gotaga ce soir. On est lundi. Allô, Elise, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Ce soir, vous faites une émission? Non. Ah bon, tant pis alors. Imagine, Jesse vient d'appeler. Si Michou et Inox ils t'appellent, tu leur dis non. Dormir toute une nuit dans les catacombes de Paris. Est-ce qu'on prend le risque du Ikea alors? Parce que Ikea, on peut se louper. Alors que les catacombes, logiquement, on peut avoir la permission de dormir dedans. Bah, c'est interdit normalement. Ah, c'est interdit aussi? Bah oui, c'est catacombes. Ah merde. Faire un salto. Ça déjà on a les points, c'est bon, on sort, je te fais un salto vite fait. Ah ouais, ouais, ça c'est bon ça. Mais je te fais maintenant. Non, attends, non. Non, je préfère vraiment qu'on passe un petit tapis, genre tu vois. Ah non, frère, t'inquiète. Non, attends, non, j'ai peur, regarde. Ouais, elle est trop chaud. Assister à un tournage. Quoi? Assister à un tournage. Non, arrête. Il a vraiment ça. J'ai les contacts. Toi aussi. C'est une anecdote de ouf, il y a Jackie et Michel, ils m'ont envoyé un message il y a 2 ans. On dit ah, si tu veux passer un tournage un jour. Arrête. En vrai c'est exceptionnel, mais j'ai pas envie de me retrouver avec un gros chibre devant moi. Non mais surtout que moi je suis quand même obligé de demander la permission à quelqu'un. Ah oui, elle est ça. Ah bah ouais, non mais là moi c'est quand même. Celui-là elle est dure. Putain, chut. Ça baisse les bords où il faut. On fait pas ça alors. En vrai on peut. Vas-y, on le fait alors. Prendre un selfie avec une femme qui s'appelle Pauline, c'est ça Webedia ou pas? En vrai, tout ce qu'on peut faire là, là, faut le faire là, comme ça c'est réglé. Embrasser son partenaire sur la bouche pendant 10 secondes. Partenaire ta meuf, genre? Ou. Planter un arbre. On peut faire des défis là. De quoi? Vas-y, plante un arbre, quoi? Là, j'ai envie de crier à ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pauline. Excuse-moi, est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pauline là? Tu t'appelles Pauline? On peut faire une photo avec toi? Pour une vidéo d'Inox pour un défi. Et du coup, quand il vient, tu peux dire que tu t'appelles pas Pauline. Mais il me connaît, je crois qu'il bosse. Donc, tu dis, j'ai changé de prénom, il galère. Ah, merde. Non, toi, tu refuses. Voilà. Incroyable. Merci, Pauline. Poster une story Instagram en disant que l'équipe adverse ne sont que des nanas et qu'ils vont perdre. Ouais, je pensais ça. On peut le faire, non? Eh hey, Billy et Gypsy. Non les gars, maintenant on va vous dire la vérité sur Billy et Gypsy. Hey. C'est des grosses. Voilà, des grosses. On allez perdre. Ouais, on vous dit la vérité. Vous allez perdre. Fuck. Ça c'est moi qui le rajoute personnellement. Oh le Dark Mission. On vole quoi à Inox là? Viens, on lui vole un truc chiant. Viens, on lui vole la souris. J'ai envie de lui voler un truc vraiment chiant. Mais un truc, c'est pas. Bah, je te dis, une souris ou un clavier. Oh, mais il y a son porte-monnaie. Mais frère. C'est quoi ce porte-monnaie gonflé à l'égard? T'en tiens pas ça de ce... Il est gonflé à l'ozone. Mais c'est des capotes. Mais quel liste de... Quoi? Il se souvient même plus de tellement il y a des capotes. Et après il a dit ouais, moi je baisse pas, je suis plus haut. Mais quel menteur. Bon bah viens, on lui voit ses capotes, il baisera pas, c'est tout. Mais il peut pas baiser là jusqu'à demain. Dans tous les cas on l'handicape pas là. Il ferait peut-être avec Michou, je sais pas. On sait jamais. Ah le petit Luffy aussi, il est trop stylé. Mais ça on le rend pas. Non, en vrai je vais le garder vraiment pour moi genre. Que la journée des galères commence. C'est parti. Elle est où Pauline? Pauline, elle est où Pauline? Elle a déjà fait le selfie. Eh hey, Pauline, t'as déjà fait le selfie? Ouais. Hey, mais ils sont à l'affût. Excuse-moi Pauline, je suis fan de toi, il y a moyen de faire une photo? Ouais, bien sûr, mais c'est vraiment exceptionnel. Bien vu. Bien, on dit à Manas de nous capter là. On demande à Manas direct. Là, je suis sur la vidéo d'Inox là. Ouais. Et on était en train de se dire avec Billy, en vrai là le vlog et tout, ça va nous encombrer de ouf. Est-ce que t'es chaud de venir filmer avec nous? Ouais. C'est vrai? En bizarre. Vas-y, t'attends, je vais essayer de l'imaginer. Eh, par contre, Manas, ça va pas le faire, mais du tout. Ok. D'accord. Bah vas-y, t'es un bon frère, à tout à l'heure. Avec c'est royal, on aura plus besoin de vlogger. En vrai, va poser ton caca. Je vais poser un petit cake là, cousin. Et je vais... Tu finis de sélectionner les défis? Ouais. Ok, go, on vole un objet dans mon sud. Tu le voles, comme ça c'est legit. Parce que si c'est moi... Ouais, j'avoue. Chut, les gars, on va s'infiltrer chez toi.
Mais frérot, tu tournes pas une vidéo avec nous normalement. On a fait le bisou avec Jitsi pendant 10 secondes et on s'est embrouillé. Il dit que j'ai. Oui. Faut pranker l'équipe adverse. Non, il dit que j'ai mis la langue à la fin. Mais tu vois bien qu'il est pas là, il est pas dans la pièce. Oui. Il dit j'ai mis la langue à la fin. Allez. Moi, je me suis dit, mais t'es bizarre. Non, mais Michaud, il veut nous pranker. Il croit que c'est un prank de coup. Le prank de zinzin. Oh, tu nous as eu là. T'es trop fou. Tu les mérites. T'es trop bacayalou. Elle est trop bacayalou. Regarde ce que j'ai volé à Inox et ça, je vais bien le ramener à la zombie. Tu vas vraiment le ramener à la zombie? Bah oui, frère. Ok, go. Là, la famille, on part à la défense avec Jitsi. On va parler dans les haut-parleurs de la gare aux gens. On leur dit quoi d'ailleurs? Passez une bonne journée. Wow, le train a du retard. Non, c'est pour le quai de la gare, pour les tramways, c'est automatique, y'a même pas de conducteur. On est en train d'appeler un lycée. Ouais, on appelle mon ancien lycée. Oui, bonjour madame. Excusez-moi, j'étais ancien élève au lycée. Et je suis devenu youtubeur. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de patience et de fermer ta gueule. J'ai pas compris l'appel là. Elle me dit, ils sont pas là. Mais qui? Bah écoute, on va à la défense. On va à la défense, on va faire le mégaphone dans la gare. Et après, on se répète tout à l'heure. Parce qu'on se recap. Vas-y, la famille à toutes. On est pas en live, hein. Ah ouais, merde. Tu peux que te dire. Bon, les amis, on est à la Fnac. On va péter l'iPhone pour l'abonné direct. Comme ça, dès qu'on croise un abonné, on lui donne iPhone 14 Pro. Tu fais pas le don Inox. L'abonné, il va être refait là. De ouf. Merci, bonne journée. On a garé la voiture dans un parking là à la défense. Un tracé de place, y'a pas un truc. Je dirais que c'est le parking, c'est une bêta genre. Déjà là, il est bientôt 16h, on a pas fait un défi. On a rien fait, on a passé que des coups de fil. Mais frère, les autres aussi, hein, t'inquiète. J'espère vraiment qu'il y a le mégaphone dont tu me parlais, parce que c'est sûr, je sens qu'on est venu pour rien. Je le sens de ouf. Kebab, là on a deux missions. Kebabier. Bah parfait, y'en a un. Maître kebabier, oh là là. Faut préparer trois kebabs. Faut préparer trois kebabs. C'est quand même pas non plus méga simple. Là va falloir négocier, ça va être chaud. Allez Inox, la négoce. Ouais. Bonjour. Monsieur, on tourne une vidéo pour YouTube. Vous connaissez YouTube? Vous connaissez YouTube, ouais, regardez. Carré de ouf. On a un défi, on doit préparer trois kebabs. Est-ce que je peux me laver les mains? J'ai une petite casquette comme vous. Je fais trois kebabs avec vous. Ouais, d'accord. Je peux? Vous êtes chaud? Mais non. Oh vas-y, c'est carré. Incroyable. Carré. Okay. Incroyable. Bah prenez votre pause, on vous remplace. D'accord. Je peux avoir un petit polo, casquette? Casquette? Ouais. Le seul investissement que j'ai fait de ma vie, c'est acheter une place de parking. Sérieux? Personne n'a pas de voiture. Personne se garde dessus. Ouais, mais pour que des gens se gardent dessus, ils me payent. Et ça marche pas. Du tout. Zéro. Hey, tu veux un kebab? Ouais, mais... Ok, je vais préparer ton kebab. Tu prends un kebab? Oui, c'est ok, parfait. On a mon kebab, ton kebab. Et... Ah bah voilà, il y a les trois kebabs à préparer. Ok, c'est ça. Oh là là. Oh lolo. Mec, t'as l'équipement complet. Je te laisse là. Le sac. J'ai l'équipement complet. Vas-y. Papa. Mets ça. Voilà, mets ça. Là, t'es BG. Mec, là, ça se voit que le kebab il va être de qualité. Ouais, il va être incroyable. Je pense que de leur côté là ils ont plein de défis. Mais là je pense qu'ils ont déjà au moins 5 ou 10 points. Et qu'est-ce que Billy me dit? Il me dit frère je suis sûr 100% des mégaphones. Maintenant j'espère qu'ils ont pas glitché le truc. En mode on veut plus l'utiliser. Je pose 2000€. On va pas réussir à le faire, c'est bon. Allez. 2000 quoi? 2000€. Derrière toi, il y a deux meufs assises à une table. Ouais. Tu portes tes couilles, tu vas leur demander un snap habillé comme ça. Oh, c'est plus 10 points là. Vas-y, je fais les grecs et j'y vais. Je fais ouais, vous avez Snapchat, vous avez vu la nouvelle mise à jour Snapchat là? Toto, tu veux pas venir chez moi là? Non, ça va aller. Bon, je te montrerai un peu le concept. Bah alors, c'est stylé, mais là aujourd'hui, j'ai pas le temps aujourd'hui. Ouais, mais moi je prends la voiture, je prends et après je vous dépose. Ah, carrément. Regarde. C'est bon. Mais on retourne dans le parking. En fait c'est un gros truc où il y a vraiment plein de monde. Ouais il y a du monde. Je stresse de vous. C'est genre un truc comme as, mais ça c'est un truc d'urgence tu vois. Rappelez, lever les bras du poste. Ah non, lever le bras, je peux pas lever les bras. Chef, on peut préparer le kebab? Ouais. Oh, régale-nous. Ouah, comment elle est chaude la broche. T'inquiète, j'ai déjà fait. Ok. Oh là 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 là! Pourquoi c'est toi qui fais le kebab? Pourquoi? Bah je sais pas. Ouais, pourquoi t'as dit que c'est moi qui dois faire le kebab? Juste parce que je suis un peu basané? C'est pas moi qui a dit que c'était toi qui devais faire le kebab. C'est toi qui a dit ça. Tu dis ça parce que j'ai des origines. Mais t'es... Oh. C'est pour ça que tu voulais que je fasse le kebab? Alors déjà, moi j'ai des origines à 5% turc. Allez, fais chauffer le pain là. Fais chauffer le pain mon ami. Allez. Attention. Ouais, mais tout est chaud ici. Ouais. Fais-moi chauffer ça Inox. Voilà. Allez les petits kebabs, c'est ça mon gars. Sauce blanche c'est pour moi. Vas-y Inox, viscère.
Tiens, oh, c'est mon chef. Ouais, ouais. Quoi? J'ai gueulé. T'as le rat. En plus, il a dit ouais. Hein. Voilà, c'est bon. Il est bon ou pas? Il est bon ou pas? Il est bon, il est bon. Il est collé, hein, c'est bien. C'est la bouche. Regarde là, sachez qu'il a vraiment le bras en feu. Eh, trois kebabs, mission réussie. Ça c'est beau, merci plus chef. De points. Merci. C'est grâce à merci vous plus de points. Merci chef. Merci mon ami. Non. Putain, Billy, y'a rien, je vais me faire 2000 balles là, ça va être royal. Je suis certainement trompé de sens de quai. Il est grand le quai, hein. Il est grand de bien. Fait une erreur, ça nous coûte 5 minutes. C'est vrai. En fait, j'ai envie de demander à la dame là, tu vois. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser s'il vous plaît. Ouais. Je cherche une sorte de talkie sur un mur dans lequel on peut parler et ça fait le speaker dans la gare. En fait, on aimerait faire une annonce dans la gare. On aimerait juste dire c'est pour une vidéo. Quoi, c'est pour une. Mais vous savez pas. Vous savez pas où sont les bureaux des mecs qui parlent. Ah, ils parlent à Agnières et ça vient ici. C'est bon. Ouais, d'accord. Bon, on se rentre, hein. Direction Manas là. On a pas pu aller dans ce parking pour rien, frère. On peut pas rester une heure ici à tourner sur un quai. Je pars pas d'ici tant que je l'ai pas trouvé. On a perdu. Estimez qu'on a perdu la vidéo. Incroyable. Bah, on mange ici. On mange là-bas. Inox, le snap. Il y a des cibles. Bonjour, vous allez bien? Ça va bien. Vous avez un snap ou pas? Parce que je vous ai vu tout à l'heure, je préparais les kebabs, mais j'ai pas pu vous préparer votre kebab. Ah ouais? Ouais. Dommage. On va dehors? Allez, on va manger dehors. Chef, on mange dehors. Tu regardes sur la RP School. Ah, t'as regardé la RP School? Eh, en plus, elle suivait la school. Tu me pécho des abonnés donc? Non, mais vous êtes pas abonné. Vous avez quel âge? Ah ouais, mais dis-moi, vous avez mon âge alors, bon appétit. Merci. Eh, je m'en fous, on a quand même gagné des points. Elle a quand même demandé. Non, mais c'est prendre un snap. Attends, fallait prendre le snap. Je crois qu'il faut prendre le snap. Eh, les filles, si je. Le rat. Si je prends pas le snap, j'ai pas les points. Non, mais vous inquiétez pas, c'est que pour la vidéo carrément. Non, en fait, c'est pas pour la vidéo, c'est pour après la vidéo, je garde non, le snap non, quand même. Non, mais non, ta gueule. Ah oui. C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo. Eh, du coup, personne ne donne son snap? Si. Allez, voilà. C'est bon, j'ai pris ça le snap. Ça, c'est un. Eh, merci les filles, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. C'est des cracks, ça fait plaisir. Ouais, non, mais j'ai pas depuis... pu rêver. Non, mais... Oh, mais c'est quoi, attends? Non, mais c'est depuis. Quoi, j'appelle mon pote. Tu te rappelles? Bah, vas-y, on va au T2, frérot. On va au T2 et c'est en face de l'ascenseur, ça marche. Vas-y, Kevz. Vas-y, frérot. Tu vois, je t'avais dit, c'est rappelé du truc. Oui, mais c'est fou comme c'est pas du tout le tram ici. Non, mais le tram, il est juste là, de l'autre côté. Mais il passe en souterrain, le tram. Non, il est là, regarde. Non. Non. Oh merde, faut frauder là. Oh, on achète la vite fait. Allez, on achète quand même. Prenne la carte. Merde, c'est que on s'en contacte. Oui, moi aussi. Et dans la voiture, la carte. Attends. Mais tu passeras jamais. On va voir pour moi le speaker. J'y vais pour toi. Attends, Billy. Mais gros, j'ai réussi à ouvrir. C'est quoi? Oh merde, vous parlez du resto. Alors, tu viens ou tu viens pas? Bonne journée. Je compte sur toi ou non? On passera. Il est top votre restaurant. Pour de vrai, il est top. On passera un jour. Tu t'en rappelleras. Gros, c'était une prise d'otage là. C'est frérot, j'ai jamais vu ça. C'était une prise d'otage. C'était un malade, gros. Dès qu'il y avait un blanc, bon, tu viens. Gros, c'était une prise d'otage. Il voulait qu'on fasse une pub pour son restaurant. Wesh, ça va ou quoi, Lila? Tranquille, mais il est là. Mais attends, il ressemble vraiment à Ace. Mais oui, t'as vu? Le sosie. C'est un mâle? C'est une femelle. Le sosie. T'as vu, c'est Ace, hein. Ils sont frères Ace et sœurs. Ace fait la même chose. Ils sont frères et sœurs. Ah, mais ça, genre, c'est la sœur de Ace, ouais. Non? Ok, on fait une photo, Mich. T'as déjà, regarde là. Regarde. Ah, t'as galé. On l'a eu. Ouais, merci beaucoup, hein. Merci à vous. Si bien, Lila, tu gères. Belle gosse. Top là. Ouais, bien joué. Il a dit en face de l'ascenseur. Regarde, il écrit. C'est pas de. Ah, c'est ça? Merde. Non? Ah, c'est là. T'avais dit que c'était ça. Tu parles? Allô. Allô. Oui, ça marche pas. Bonjour, allô. Frérot, je pense qu'il faut nous compter quand même le défi. Mais en vrai, on n'a pas parlé de nous. Allô. Le mec, ça marche juste pas. Il est juste éteint. Ah. T'es sûr qu'on a pas un autre qui est mort? Vas-y, on se part. Non, frérot, je suis dégoûté. Putain, en tout cas, je me suis fait 2000 balles dans l'histoire. On est en retard sur le planning de baiser, frère. Là, faut aller à Châtillon, genre. Excusez-moi de vous déranger, je sais pas du tout si vous connaissez, c'est Michou et Inox Tag. Et on fait une vidéo où, en gros, on a plusieurs défis à faire dans la journée, dont un très très gros défi, c'est de faire un stand-up de 3 minutes. C'est ça? Ouais. Je suis avec ton numéro, je t'en. Ok, d'accord. Allez, on espère que ça va passer. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, on doit passer vers quelle heure? C'est bon, 19h. Ok. Ok, pour 19h, c'est bon. Bah, merci beaucoup, Sabrina. Merci. Le Comedy Club, ça va te faire. Le Paname, tu sais que c'est un vrai truc, hein. Oh, comme lui, il a pas la police. Dis, comment ça, mon keuf? Et il rigole. S'il te plaît, dis. Il va te dire, arrête-toi, donne-moi tes papiers. On va perdre 4 heures. Bonjour.
Putain, il nous avait abonnés. C'était des abonnés. Oh, le keuf, c'était un abonné. Fait chier. Oh non. Attends, Mathieu, t'as dit quoi? En fait, il y a Speed qui fait un live à la Tour Eiffel en fait. Et en fait, il y a Speed, il y a une heure, il a demandé si c'était des choses de faire un live avec lui à la Tour Eiffel. Vas-y, dis-lui, on arrive. Mais c'est dans 15 minutes. Mais par contre, on a tous nos défis. Après, la Tour Eiffel, on devait la monter à pied. Oui, oui, dans tous les cas, on doit monter la Tour Eiffel. Frère, viens, on monte avec lui à pied. Ah, j'avoue, en vrai, c'est marrant. Allo Fred, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, je suis avec Michou, on tourne une vidéo. On a deux défis. On a un défi, c'est recaler 5 personnes d'une boîte de nuit. Et on a un autre défi, c'est faire du DJ en boîte de nuit. Et vous voulez faire ça quand, ce soir? Ouais. Ouais, j'ai pas trop de monde ce soir, donc ça va pas influer, on va vous laisser. Ok, ça marche. Et on pourra recaler 5 mecs de la boîte. Ouais, bon, on va aller chercher après. Vas-y, bah alors à tout à l'heure, on se dit quoi, 1h du matin? Soyez là vers 1h du matin, c'est bien. Ça marche, okay, bon bah parfait. À tout à l'heure. Déjà ça c'est carré. Mec DJ, gros, faire DJ dans une boîte c'est quand même un truc de zinzin. Et c'est 10 points. C'est 10 points. Ok, on a rejoint Manaf. Ça va, frérot? Ça va? T'es prêt, frère? On a un gros programme ce soir. Je suis grave chaud. Ouais, là, frère, on a un sacré. Je suis en train de bosser. Tu bossais pas? T'as dit quoi? Oh, le flou. Non, ouais, bah du coup, là, on va me tatouer le donut sur le fiac. Le donut? Le donut? Oh, mais hey, si je me fais tatouer le cul, on est d'accord, je vais shake un peu du cul. Genre, je vais trembler un peu. Ouais, c'est pour ça que ça peut faire tomber les épices sur le donut. Là. Tu fais gaffe, le petit vermicelle là. Je commence à stresser de con là. De con? Je stresse de con? Je stresse de con, frérot. Frérot, si je fais ça, c'est vraiment pour nous carry, genre 20 points. Et le reste, c'est de l'amusement, tu vois ce que je veux dire? Normalement, c'est que de la vanne après. Mais imagine, on perd avec ça. Il aura un souvenir. Il va jamais dormir dans un Ikea, frère. Faut qu'on fasse un max de 10 points, Michou, en fait. C'est ça la strat. Ouais, les 10 points, frère, on se rend pas compte, mais c'est trop plus. Dis-moi, il reste quoi comme 10 points? Il y a réussir à prank l'équipe adverse. Mais c'est gagné. Faut vraiment qu'ils y croient. Et après, dormir dans les catacombes de Paris. Ça, ce soir, faut qu'on dorme dans. Et assister à un tournage de porno. Au pire, on dort dans les catacombes. Mais ça, c'est mort. On dort dans les catacombes, on a besoin de contact, on y va à l'arrache. Tu crois? Et bah, dans ce cas-là, on dormira dans les catacombes. Vas-y, regarde sur YouTube comment rentrer dans les catacombes. Ginor, faut qu'on prenne une photo avec toi ce soir. On sera en boîte. Avec grand plaisir. Il y a les catacombes, les gars. J'ai envoyé un message au mec qui fait l'urbex parce qu'en fait il m'avait envoyé un message. Du coup là, je vais renvoyer un message. Je pense qu'il va me répondre rapidement. On va monter à pied la tour. Les gars, on va mourir. En plus, c'est le jour où il fait le plus chaud, frère. Tu regardes sur son live, il est où? Ah, il veut pas qu'on filme instant. Ah merde. Au pire, tu tiens la cam dans ta main comme ça et après on la retournera. Bonjour. Bonjour. Ah pardon, pardon. On peut pas rentrer avec? On peut la poser quelque part. On peut la poser où? Vas-y, on va la poser dans la voiture. Viens, vas-y, comme ça on monte à pied. Le ricain là. Ouais. Il m'a envoyé une localisation. Le ricain? Mais oui, le manager de Speed. Ouais, ça va. Ça va ou quoi? Salut mon pote, ça va ou quoi? Un donut sucré con ou tu veux un donut sucré au sucre? Ouais, c'est parfait comme ça, ah bah parfait. Ah, il est BG, ça va être joli. Ils sont déjà pris et tout. Ah ouais, il est BG. Juste au niveau du format, je passe un gros donut. Ouais, comme ça, un gros, fais un gros. Fais un gros, fais deux comme ça. On a un petit donut. Comme ça, vraiment, on leur remet plein la vie demain quand ils regardent. Ok, un gros donut, je veux bien. Et bah, let's go. Bon, mon frérot, t'es prêt? Let's go! C'est parti! Tu sais que c'est la première fois que je monte la Tour Eiffel. Bon. Mais non! Je te jure! Frérot, viens, on essaye de le faire le plus vite possible. Tu l'as déjà monté plein de fois, toi? Moi, j'ai déjà monté une fois, oui. On est au premier étage. Allez, frérot, on plie ça! Ouais, non, pas encore, t'es loin là. Frère, comment on est haut? Frérot, c'est du bon entraînement, ça. Mec, je suis fou déjà. Deuxième round! Un round rapide, efficace. Oh là 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 là. Là, on est bien haut. Wouah, mec, c'est magnifique. Là, on est bien haut. Les frérots Michou, il a fait le sport de la semaine. On y est. C'est là? Ouais. Allez, Kozo. On y est. Et avoir la vue. Oh, encore. Et voilà. J'ai envie de cracher un gros mot là. On y est, frérot, on a réussi. Wow, mais attends, mais c'est immense. Plus 3 points, amigo. Tu m'as fait mal. Désolé. Frérot, tu vas pas me croire. Bah si t'étais là. On descend la tour Eiffel, on voit Speed. C'est pas, il vient nous dire, donne ton tel. Genre là, actuellement, pour vous dire, je suis le seul à avoir un téléphone. Frérot, j'ai plus mon tel. Inox, son tel, c'est Speed qu'il a, il est en live. Je vais vous montrer. Frérot, je vais vous montrer. Il est en live avec mon phone. Il enlève ma vie dans mon phone. Regardez les gars. Là, c'est le tel d'Inox. Il m'a kidnappé mon phone, frère. C'est improbable. Mais c'est lunaire. Mec, c'est lunaire. Du coup, moi là, j'ai le numéro de son agent. Et dès qu'il a fini le stream, il m'appelle pour qu'on vienne récupérer le phone. Mais frérot, mais c'était bizarre, frère.
Mais gros, Speed, il va pas te péter un phone, t'as aucun sens. J'espère qu'il va pas me péter un phone. Mais non, frère, je vais donner le code et tout. Moi, j'avoue, et il avait même dit, enlève ton code. Nous, on y va en mode, on se dit, bon, bah vas-y, il veut qu'on lui présente Paris. Et frérot, il s'en battait les couilles, il voulait juste mon téléphone. Il a regardé s'il y avait Speed Test, s'il marchait bien le Speed Test. Il a dit, ça marche bien. Il a dit, ça marche bien, va péter. Et après, il a commencé à prendre le tel. Il faisait sa miniature et tout, il nous calculait même plus. On parlait qu'avec ses cartes du corps. Bon, je vais arriver sur son live, je vais lui dire, donne-moi mon tel. Tu dois être tellement bien là. Moi je suis bien là, frère. Frérot, je m'en fous, tu sautes pas du 5 mètres, tu vas sauter du 10 mètres. Je suis du 10 mètres, à la piscine. L'erreur, vraiment, j'ai même pas peur du tatouage, mais j'ai peur de vraiment puer du cul, genre vraiment de fou. Est-ce que s'il pue du cul, vous le dites? Ah, clairement. Ah, oui, oui. Après, frérot, il peut se passer un truc, mais c'est quoi que tu fais là maintenant tout de suite? Non, je crois pas. Si. Mon cul là, il peut rester à sa place. En vrai, ça peut être le sien. Sur un pierre feu ciseaux en 1. Une grosse merde. Ok, rentre dans son cerveau, rentre dans son cerveau. Non, attends, je suis prêt à le faire, je vais le faire. Ah, montre-moi que t'es un compétiteur devant tout le monde. Ouais, ouais, je vais te le montrer, mais alors, si je gagne, parce qu'à la base, t'avais dit que tu le ferais. Je t'ai dit, t'es sûr? T'as dit ouais. Donc, si je gagne et que tu le fais en quand même, on agrandit de net comme as. On fait comme as, genre, un gros de net. Frère, mais ce de net, c'est même pas ma fesse. Mito, arrête. Bon, putain, putain, tu vas me le dire. Attends, ok, d'accord, ça marche. C'est bon? C'est mon seul moyen pour me sauver de ça. C'est en 1. C'est en 1. Vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Mon cœur il va lâcher. Mais... pierre, feuille, ciseaux. Oh le go. Tu peux l'imprimer? Oh vraiment comme ça? Ouais vas-y, je peux faire un boss, faire merci vous. Oh c'est légendaire. Elle est où la statue de la liberté là? Les amis, on est devant la statue de la liberté avec Michou. En vrai elle est stylée de fou. On va la voir mais de loin. Bao. C'est plus de points ça. Ça c'est plus de points. Allez c'est vas-y on continue. Bon c'est parti Michou, on va au Comedy Club. Mais tu sais que là on est dans la rue des artistes hein. Frérot t'es chaud. Il y a un théâtre, il y a le Panam Comedy Club et tout. Mec, tu sais que moi j'ai peur. Les gars je me chie dessus. C'est que je suis stressé ça. Mais sachant frérot, que les gars on a quand même un peu préparé notre sketch. C'est catastrophe. C'est on mise tout sur la catastrophe. On se jette dans la gueule du loup. C'est parti. Tu veux pas en faire un impro? On reste sur ce qu'on a dit. On reste sur ce qu'on a dit. Si on raconte la blague trop bien, à la fin tout le monde va rire. Fais-moi confiance. Non, ils vont pas rire. S'ils vont rire. Par contre, ils vont s'en souvenir. Ça va? Bonjour. Eh, JC, t'es un player. T'es un pur player. Ah, frère, je suis un pur player. Mais j'adore que tu sois un player aussi. Comme tu dis, t'as vraiment l'âme du divertisseur. J'adore, frère. Quand j'ai vu comme ça, aïe, entre ça. T'as tellement perdu qu'on change. Qu'on parle avec l'autre. Il est 5 fois plus grand. Attends, pose-le. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est notre tout premier stand-up, on n'en a jamais fait et on a tout misé sur une seule blague. Donc c'est la blague d'un petit qui a gagné au loto, donc il est devenu millionnaire, milliardaire, il a gagné plein d'argent et son père, c'est son anniversaire, comme chaque année. Donc son père, c'est son anniversaire et le petit il dit bon papa, j'ai gagné plein d'argent, je peux t'offrir tout ce que tu veux, papa, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je veux une balle de ping-pong. Balle de ping-pong? Comment c'est une balle de ping-pong? Du coup moi je suis millionnaire et tu veux une balle de ping-pong? Papa, je peux t'offrir une Ferrari, je peux t'offrir une voiture de fou, mais tu veux une balle de ping-pong? Une balle de ping-pong. Donc le fils lui offre une balle de ping-pong pour son anniversaire alors qu'il est millionnaire. 2 ans passent, le père a 32 ans, et papa, je suis toujours millionnaire, j'ai acheté une maison, il me reste encore plein d'argent. Allez, je peux te faire plaisir, je peux t'acheter une Ferrari, je peux t'acheter ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Je veux 2 balles de ping-pong. Là, je commence à poser des questions, je suis millionnaire, je dois aller lui acheter 2 balles de ping-pong. Je prends ma Ferrari, j'ai un Monoprix, je vais acheter 2 balles de ping-pong. Pourquoi il veut 2 balles de ping-pong? Je peux lui acheter ce que je veux. Écoutez bien, toutes les informations sont importantes. 2 ans après, c'est mon short pour commencer. Ouais, ouais. Là, t'as besoin de. Ça y est, t'as besoin de voir? Ouais, bah vas-y, hein. Enlève-toi. Mais tu m'as dit, mais fais, ça sent le papa lui, mais tu te fous ta gueule de qui? T'es mal, y'a des cheveux. T'as fait du PRP sur les fesses. Ouais. Tu vois, je t'ai dit, te rase les fesses. En vrai, je me suis jamais rasé le cul de ma vie. Ah, il me rase le cul? Ouais. Oh yes. Okay. Frérot, si tu veux, je me rase le cul moi, c'est pas si ça t'est. Vraiment, je suis désolé. C'est la pire situation. On est en train de faire les bonnes platines là. Le platine sur le cul. Le bruit! On dirait un bruit de ronce! Oh, ça va être royal! Waouh! C'est gravissime! Il a 83 ans et c'est son dernier anniversaire. Et c'est le moment où je prends mes couilles en main et je lui dis: papa, tu veux quoi pour ton anniversaire? Je veux
2 balles de ping-pong. Ok papa, j'en peux plus. C'est bon, je te dis. Papa, ça fait toutes ces années, je suis millionnaire, je suis riche, je pouvais te faire tout le temps autre chose que des balles de ping-pong. Dis-moi pourquoi tu veux ces balles de ping-pong. Ça fait tout le temps, on attend tous, on veut savoir pourquoi tu veux des balles de ping-pong. Depuis que je fais ton anniversaire, je peux t'offrir plein de trucs, pourquoi? Si depuis le début je te demande toutes ces balles de ping-pong, je vais te le dire. C'est tout simplement parce que... Bonne soirée à tous. Alors vous êtes vraiment un très bon public. Vous êtes vraiment là pour applaudir cette blague. On a réussi. Merci beaucoup, désolé de vous avoir fait chier. Le paname il nous avait dit 3 minutes. J'ai fait 14 minutes de blague. Moi j'étais bloqué à cause de toi. Parce que c'est toi qui dis de la blague. Et toi tu me disais 34 ans, 36 ans, 40 ans. Je me disais mais frère va plus vite. Bien joué frère, on l'a fait. Frérot, vraiment bien joué, on l'a fait gros. Allez, plus 10 points ça, c'est mérité frérot. Les gars, qui a la rêve de cette blague? Qui a la rêve de cette blague? Les vrais on la rêve, dites le dans les commentaires. Les vrais on la rêve. Hey, si on gagne pas la vidéo, je te parle plus jamais de moi. C'est même pas Inox, ils ont vu ça à toi. C'est même pas moi qui t'ai dit de venir là. Démerde-toi. Il a vraiment dit. Le donut, je le fais, je connais un mec. Combien de lignes? Ça part. Wow. Mais respire, lui. En plus, y'a rien à gagner en plus. J'ai fait un signe, j'ai beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Bah, les gars, merci beaucoup. Je suis désolé de. Bienvenue. C'était pitoyable. Enfin, je veux dire comme demande de ma part, mais merci de nous avoir accueillis. À l'aise, ouais. Juste pense à ton tatouage. Ouais. Juste à le tenir pendant 3 semaines, 1 mois. De baignade? Ouais. Ah, mais c'est l'été. Mon fake. T'as mal un peu là? Là, si je touche là. Attends, c'est elle? Non, c'est l'autre fesse, ouais. Si je touche là. Mais arrête, c'est sensible, il a dit. Il a dit, faut que je laisse respirer 24 heures. Non, t'as un tatouage, Dénette. Jusqu'où c'est allé, ces conneries? Un frérot, il y a un fleuriste. J'achète un bouquet de fleurs. Dès qu'on voit une meuf haute, magnifique. Tiens, l'enchaînement magnifique. J'enchaîne, là, j'ai des couilles de fou maintenant. C'est vrai. Je vais aller voir une meuf, je dis, t'es ravissante. Prends ce bouquet. Ok, ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me faire un beau bouquet de fleurs? Eh ben oui, bien sûr. J'ai un budget de 24,4. Non, il a. Oh non, non, non. Il a un budget no limite. On va baser avec la rose rouge. Ça marche. On va mettre une botte hypernier comme rouge. Non, pas lui. Non, ça c'est, ça présente comme ça. C'est original. C'est pas... C'est original, Inox. On va mettre quelque chose t'écoute, chef. Dans le blanc. Dans putain, le blanc. Il est en train de sortir toutes les fleurs du magasin. Et 200 euros le bouquet. Bah il en profite. Ah le bouquet, le premier, ça va être... Ah ça va super. Être un sacré et bouquet. Ça gratte les poches. Là il va compter derrière moi. Il sait pas combien il va me choper ce fleuriste. Salut, ça va? Bien, tranquille. Ah ouais? Quoi? Oh! Oh! C'est ton jour! Eh, va à la table assise, j'arrive. Non. Je savais que c'était ton style de meuf. C'est lunaire. Maintenant, du coup, direction Saint-Germain-en-Laye. On va à la piscine olympique. Je peux pas me baigner avec mes fesses. C'est toi qui va plonger, hein, c'est tout. Et tu fais le 10 mètres, tu m'en fous, tu fais le 10 mètres. Je fais le 10 mètres, frère. Et tu fais un plat. Non, tu sais qu'un plat à 10 mètres, tu peux mourir, je te jure. Nous, à chaque fois qu'on montait sur le 10 mètres, ils nous disaient si vous faites un plat, vous pouvez mourir. Bah, vas-y, je vais te filmer, c'est moi, je vais filmer. Vas-y, direction Saint-Germain. Elle a dit, ma pote, elle est amoureuse de toi, je vais l'offrir un bouquet. Mais sa pote, elle va être dégoûtée. On s'en fout. Là, il a mis la canne à pêche, il est venu tout seul. Il a même pas regardé quel poisson, est-ce que j'ai chopé ou non. Il est venu tout seul, le poisson jusqu'à vers lui. Si, merde. Il est prêt? Combien? Oh, combien là, là. Hein? C'est ton temps, non? Ah, tiens. Non, je rigole. Je rigole, je le prends. Tu dois marquer les points là. Mets 60 euros parce que t'es un bon. Non. 60 euros, 60 euros. J'étais rajouté des trucs, tu vois. 60 euros, 60 euros. Vas-y, Michou, tu payes? Hein? J'ai pas ma carte. C'est Speed qui a mon téléphone. Oh, le bâtard. Ah, c'est pour ça que tu dis rajoute. Mais je viens de me faire baiser là. Allez, Inox, c'est ton moment, gros. Oh putain. Eh, hey, tu m'as attendu, t'es vraiment sympa. Je passais devant le fleuriste. Ça veut dire illico presto. Je t'ai vu, je me suis dit, c'est pas du hasard. J'étais obligé de t'offrir ce magnifique bouquet de fleurs. T'aimes bien ou pas? À vous, c'est la classe. Allez, bon. Je suis choqué là, ça m'a fait trop il plaisir. Est trop bien ou pas le bouquet? Il est incroyable. Frérot, c'est, y a rien de mieux qu'un bouquet. C'est trop bien les bouquets de fleurs. Cette musique de super héros là. Ah, c'est une musique de mec qui fait des plongeons de 10 mètres. Ouais. Oui, bonjour madame. Est-ce qu'il est possible de faire des sauts du plongeoir de 10 mètres? Non, waouh, même celui de 5 mètres?
Ah ouais, mince. Ok. Sérieux? Bah merci à vous, madame. On est baisé dans l'os. Non, on va trouver une autre piscine. Les piscines étant fermées ou n'ayant pas de plongeoir, on a réussi à décaler l'heure du stand-up parce que là on passe du coup. Là on arrive, on est au Golden Comedy Club à Paris. Et on va faire un passage de 3 minutes, mais on doit être à 2 sur 7, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Le stress de con là. Le truc là, c'est qu'on sait pas sur quoi on part. On n'a pas d'idée de van, on n'a pas d'idée de sketch. Nous, on veut faire ça bien. C'est la facilité de faire un faux humour gênant. Genre, on va parler des profs. Faux. Ça, c'est claqué. Vraiment, faut qu'on essaie de les faire rire pour de vrai. On n'a rien écrit. Comment on va faire ça en impro, frère? Je sais pas, mais viens, faut qu'on parle d'un truc. Genre, on arrive. J'aimerais bien vous parler des moustiquaires. On est dans le thème. Si, bon, tu veux quoi boire? Comme toi. Ok. Oh, on est d'accord, c'est encore moi qui va payer. Et tu lui as dit, je t'offre ce bouquet de fleurs, c'est moi qui l'a payé. Qu'est-ce que tu racontes? Mais frérot, c'est vraiment parce que t'es mon pote, hein. Je peux pas, je laissais pas faire ton poison. Ah non, t'inquiète, on mange ensemble. Hein? Tu m'invites à manger? Les filles, vous savez quoi? Vous pouvez pas manger. C'est tes potes aussi, eux? Vous êtes deux? Non, 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 j'ai rien. On vous offre, je vous paye ma tournée. Non, mais moi je te mets de la tournée tranquille, c'est parce que t'es chéri. Non, non, non. Maintenant j'insiste, on paye la tournée, c'est bon. La tournée. Allez. Ça va, asseyez-vous, on va payer. Ça régale. T'as oublié le sens des priorités, toi, mon ref. Bon, faut que j'aille voir celle qui m'attend. Elle mais est oui, seule, c'est un missile. Bonjour, chef. C'est possible d'avoir deux diabolos fraises? Mais là, t'es passé en mode vraiment séduction, là. Ah oui, je reconnais. Va chercher une chandelle. Je crois qu'Inox gère vraiment son date, là. Il est déconcentré, là. Il va falloir que je le reconnecte à la réalité. Parce que le poteau, il m'a dit va chercher une chandelle, vas-y, prends la cam et tout, là. Attends, parce que du coup, moi, je dois payer la tournée à l'autre groupe de filles. Comme ça, c'est un défi de valider. Commandez ce que vous voulez et après, je vais leur demander, je vais payer. De quoi? Si vous m'appelez. Faire des fleurs? Aucun problème, tu m'as des fleurs. Ok, carré, je lui dis, y'a pas de soucis. T'es tout seul? Non, elle arrive. Elle m'a laissé son téléphone. Putain, gros, je galère à trouver. Une chandelle. Mais je galère, frère. Bon, aujourd'hui, pourquoi t'as des grandes oreilles de baiser? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai changé de casquette, elles sont plus bloquées sous la casquette. Oui, t'as vrai. Vu comment ça fait? Quand j'ai une casquette normale. Ouais. Putain, je suis Peter Pan, t'es là. Salut, nickel, salut, toi. Désolé, j'ai un retard. Est-ce qu'on prend un nom scène ou c'est nos vrais noms? Eh bien, on nous appelle les binoclars. Tic et tac. On peut faire la surprise, genre. Après, ça se trouve, personne nous connaît. Si je dis votre place, les... ouais, peut-être comme vous voulez. C'est quoi la moyenne d'âge? C'est des jeunes? Là, j'ai regardé, ils sont 12. 12 ans? 12 ans, ouais, j'ai vu. Ah, ils sont que 12. Je dirais 22, 30. 22 ans et 30. T'entends déjà là? C'est des puristes de l'humour, genre, où ils vont nous insulter. C'est à 12, on dirait que c'est des recruteurs carrément. En Angleterre, mais. En Angleterre, ils peuvent te dire get out! Là, ils vont juste dire cassez-vous! Non, c'est une traduction. C'est drôle, putain, passe sur scène! Mais vas-y, mais pitié, mais viens, moi je veux! Si tu veux dire nos blagues, tu dis nos blagues, franchement, je te lâche. Si débile! Faites du bruit pour les 6 débiles, genre je dis. Ouais, c'est débile. Attends, mais y'a des gros mots qui viennent là. Eh, hey, c'est simple. Kev Adams. Ferme les yeux. Bon, ça va, y'a Kev Adams, il est venu, on est bon. C'est marrant, va. Frérot, tu nous déranges là. C'est que là, on commence à parler sérieux. Vous avez vu mon travail, qu'est-ce que je suis devenu carré. Tu sais que lui, demain, c'est le fleuriste. Normalement, et là, lui, je train de faire ça. Là, vous me dérangez. T'es mon gars. Ok, je m'en vais, pardon. Pardon, je m'en vais, pardon. Défi validé, par contre. T'as ramené une chandelle. Ouais, pardon. Je m'en vais, désolé. Eh, là, je suis hors défi, là, un peu, là. Bah, là, j'ai capté. Mais par contre, mon ref va falloir rester concentré après. Non, pardon, excuse-moi, je déconcentre. Ouais, tu déconcentres, là, c'est pas bien, là. Je suis en train de le perdre, hein. Non, mais là, le problème, c'est que je vais finir la vidéo tout seul, là. Ok, c'est bon, il est en train de dire au revoir. Eh, hey, je vous ai pas oublié, désolé. Vous avez tout commandé? Non, mais par contre, on peut demander quand? C'est pour un défi, ça veut dire que je suis obligé. Moi, ça m'arrange. Moi, je vais une bouteille. Deux bouteilles de champagne classique, ouais. Parfait. Je vais vous taper des mains, je vais vous crier pour les deux suivants. S'il vous plaît, allez, faites du bruit. Ouais. Est-ce que vous êtes parisien? Non. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a des Toulonnois? La famille, on va être franc avec vous. On avait 5 minutes pour préparer un sketch. C'est misérable. On va être franc avec vous. On a bataillé longtemps pour savoir de quoi est-ce qu'on allait vous parler. Bah 5 minutes du coup. On a choisi. Bah on hésitait entre les pompes à essence. Entre les pompes à essence ou les canettes. Vas-y les canettes. Les canettes. C'est celui qu'on a le moins travaillé. J'espère qu'ils disent pompes à essence. Moi je rêvais pour que tu dises pompes à essence. Mais bon, les canettes. C'est pratique. Regarde, bah y en a partout hein. 5. Je suis rassuré, j'ai récupéré le sac les frérots, on est de retour avec la caméra etc. Ouh, j'en veux plus. Depuis qu'Inox il s'est installé à sa table avec la fille là, depuis tout à l'heure j'enchaîne. Mais honnêtement là, on a bien enchaîné les défis, ça fait plaisir. Je pense qu'on a pas mal rattrapé. Je crois qu'Inox il y a une autre priorité qu'il a bien gagné aussi. Ouh,
Putain frérot, la soirée était là. Qu'est-ce qui s'est passé gros? D'ailleurs je tiens à dire, bon, on leur a offert des bouteilles d'alcool. L'alcool est à manger avec modération. À manger avec modération, ouais, à manger oui. Go chercher le tel d'inox. Allez go, c'est parti, on va chercher mon tel. Mais hey gros, c'est, par contre cette journée elle est vraiment lunaire. Bon allez gros, il est quelle heure Michou? Il est 22h frère. Ça veut dire que là il nous reste quoi à faire là? Faut qu'on aille faire les burgers, faut qu'on aille à Châtelet. Bon pour moi faut qu'on aille à Châtelet, on essaie d'en faire, on essaie de. Ouais Châtelet, il y a plein de trucs à faire. Trouve l'abonné, faut lui donner l'iPhone. Putain mais c'est vrai, on a toujours l'iPhone. Vas-y, les pompes à essence. Allez, les pompes à essence. Bah écoutez la famille, les pompes à essence, c'est quelque chose qui nous a longtemps intrigué. Genre il y en a énormément. Et tu parles en nous plus. Non mais les pompes à essence, c'est pas un truc de fou. En vrai, quand on réfléchit, t'as des pompes à essence. Tu peux avoir du. T'as du sans-plomb 98, t'as du sans-plomb 95. Mais c'est. Là, on parle des pompes à essence. Vous avez jamais remarqué qu'il y a jamais de pompe avec des. Avec plomb 95. Il y a tout le temps du sans-plomb. Ah ouais? Jamais j'ai vu une pompe à essence avec plomb. J'ai vraiment pas de voiture. Le micro, il s'arrête. Moi, j'ai vraiment pas de voiture. Y'a quelqu'un après annoncé? Ouais. Il s'appelle comment? On écrit DJ Will. DJ Will? Non. Mehdi, Mehdi Djibril. Ok, DJ Will, faites un maximum de merci de nous avoir écouté. Merci à vous. Ok les amis, c'est parti, on va faire les caissiers et on va vendre 5 burgers, ça fait partie d'un des défis. Black and White, c'est parti. Let's go. Est-ce que c'est possible que Michou il passe derrière la caisse et il vende 5 burgers? C'est beau jeu. Allez. Il va te prendre ta place. Va en pause, je te prends ta place. C'est rien. Je crois qu'on a un premier client qui arrive là. Ça c'est un vrai Yankee bon, ça. Je veux payer moi chef. Quelle commande? Commande 248. Allez hop, payez frérot. 22,80€ par CB espèce. Par CB. Frérot, imagine tu mets 100€, j'aurais même pas cramé. Ok, et 2, 1. Okay. Ok, bon là on est chez Gotha. On va passer dans le live. Je sais pas combien de temps c'est ça. On vous a briefé ou pas? En vrai. Ouais, moi je sais que vous venez un peu en surprise. Ouais, on vient, on se crête vite fait. C'est sur vraiment inox, en 2 secondes. On passe vite fait, coucou et on se casse quoi. Ils sont pas encore passés, donc c'est ils sont. Ils... Non. Ils vous ont appelé? Ils viendront pas? Non, mais ils sont pas encore arrivés en tout cas ou quoi? Je sais pas. Oh non, il a fait. Non, 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 l'émission 30 secondes et il y a déjà un problème. Mais 30 secondes, c'est difficile. Non, mais oui. Ça va, ça se passe bien. Ça va, ça se passe une bonne soirée. Ouais, ça va. Commande numéro 249, 32€ si vous voulez. Purée, il y a tout un groupe là. Michou, ça a vendu 5 burgers là. Et vous avez pris combien de burgers? Ils ont pas pris. Les filles, vous avez pas pris de burgers? 2 burgers vendus, les amis, c'est carré. Bon, il nous manque 2 burgers à vendre. 16,60€. C'est bon, t'as vendu tes 2 derniers burgers? On prend la remise. Vas-y, mets la remise. On met la remise. Du coup, ça fera 8,40€. 40 s'il vous plaît. C'est bon. Bon bah plus 2. Mission vendre 5 burgers, c'est dans la boîte. Bien joué. T'as baisé la gota gacor? Non là j'ai corps merde. Et là, je voulais pas faire ça frère. Juste envoyer un petit peu d'eau. Là tu voulais. Tête de ma mère. Mais tu me l'as dit avant qu'on y aille. Mais tu me mens, tu me mens. C'est incroyable. Tu me mens. Un bordel là encore. A chaque fois c'est comme ça. Bon la famille, là on va essayer d'organiser une soirée privée avec 20 personnes, 20 abonnés idéalement. Après on va aussi faire barman, en fait on compte les emmener dans un resto. En fait on a un resto, on a privatisé le haut d'un resto. Ça va? Ça va, vous allez voir? C'est bon, donc c'est comment? Excusez-moi, vous faites quoi ce soir? On va juste se poser au Panthéon. Ah ouais, c'est quoi déjà Panthéon? À toi de nous dire. C'est un perso dans League of Legends. Ah ouais, on se poser sur lui. On vous explique qu'on fait une vidéo pour la chaîne YouTube d'Inox. On a plein de défis à faire en 24 heures et on a un défi, c'est organiser une soirée avec 20 abonnés. Mais il y a un resto juste là. Bah justement, on allait au resto en fait, en parlant là. Et on a les tâches pour nous tout seuls. On s'est dit peut-être, si vous n'avez pas mangé, on vous invite. C'est gratuit. Non, désolé. Bon, ça dérange dans ton frère, il a planifié sa soirée de A à Z. Il a vu le bourbier arriver, il a fait frère. Je vais casser les couilles du fou là. Bon, on vous dérange pas tout le temps. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Bon, bah vous l'avez compris, du coup, on a l'étage d'un restaurant que pour nous. Et le but, du coup, bah, c'est d'inviter 20 abonnés. 20 personnes, en tout cas, si je vais faire une soirée avec. En fait, à l'abonné. Vous l'avez compris quoi. Je vois le resto là, le bal, juste là en vert. J'ai l'étage pour moi tout seul. Et j'invite, je vais inviter 20 abonnés, c'est gratuit. Avec plaisir, juste préviens mes parents. Ah, vas-y. La famille, on est devant le resto, le Grand Amalfi. C'est au bord des quais de Seine. C'est un resto italien, j'y vais tout le temps avec Amine. C'est mon resto préféré parce qu'on est tranquille dedans. Allez, on se dit bonjour.
Chalal. Et là en gros on a tout le premier étage pour nous. Parce que le propriétaire je le connais, c'est un frérot à moi. Bon ça dans 10-15 minutes on peut avoir un billet. Est-ce que vous êtes chaud? Petite pizza, petite boisson offerte à l'étage. Gratuit. Oh bah de ouf. Et ouais, ultra chaud. Ça va les filles? Ça va et toi? Là on tourne une vidéo pour Inox. Ah bah ça va. Il y a un défi en fait, on a un resto là, on a privatisé l'étage dessus. On doit inviter 20 personnes. Il nous manque 5 personnes, donc vous êtes 5. Donc, c'est bon? Ouais, c'est ça. Bien, ouais, vas-y à toutes. Vas-y. Laisse-moi checker s'il te plaît frérot. Ok c'est carré, on a gratté. Il arrive. Frérot ça va ou quoi? Ton poteau il arrive et dès qu'il arrive il va me tuer, un battle. Non, on s'en fout, c'est pas grave. On s'en fout, t'as assumé direct. Ça veut dire c'est bon. Eh ouais t'inquiète, eh gros on est avec Micho et Inoxtag. Gros ils nous ont demandé un battle de rap. Accélère, cours ma gueule. Cours. C'est nouvelle école ma gueule. Eh il arrive tout de suite. Ça va ou quoi? Bien. Moi c'est Rico. Oh le poteau. Salut, Rico. Oh le poteau Rico. Moi je sais déjà comment tu t'appelles. Okay, aussi. Hey, il t'a vendu en rap. Vous devez faire non, un battle. Frérot il nous a parlé de droite. Il a dit tu vas nous choquer. Mais il vous a vendu. Mais là je suis trop défoncé les mecs. Non gros. Ça va le faire. Ça va le faire. Il est défoncé ça veut dire. Ça veut dire il est fatigué. Genre il est fatigué. Ouais, il a pas dormi. Il est trop défoncé. Il a pas dormi. On se balade sur Paname avec zéro dans les poches. Fallait bien qu'on fasse l'euro. Mais bon c'était pas fastoche. On fumait du Botechi qui était couleur pissage. Te frotte pas à mon équipe. Où ton visage sera plein de tâches. Traîner tard la nuit dehors, nous ramener en garde-à-vue. Encore des petites bêtises, et ça sera bientôt le placard. Dans la vie, tout est carré, mais dans ma tête, tout est rectangle. Carré! Franchement, lourd, les gars! Ok, frérot, à toi. C'est le cœur noir, ça fait 4 ans, et y'a personne pour m'épauler. Touche un membre de mon équipe dans ton crâne, reprise de volée. C'est voler était comme hiver. Prêt à tout pour le million, me fais pas jurer la vie de ma mère. Les secrets de famille augmentent, pas d'exemple, et je suis de la sorte toute la journée. Je suis sous pilon, c'est dans la tisse que je vais me noyer. Les soucis me prennent la tête. Se multiplie par centaines, qu'une envie, tuer ces putes, les voir souffrir comme j'ai souffert. Putain de vécu, sur la trace, petit garçon reste à ta place. Ces heures de blanc, t'aurais pu voir enfermé sur l'île d'Alcatraz. Wouah, bien joué les gars. Chaud, franchement il a débité hein. Bien joué, bien joué. Bien joué frérot. Bien joué frérot. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est pas moi que je suis allé les voir, je suis gêné de baiser tu vois. On arrive à faire les défis et à juste kiffer. Il y a eu aucune contrainte aujourd'hui, frère. C'était incroyable. On fait ça pour un défi, mais j'aime bien ce moment. Je te jure, j'ai kiffé le moment là. J'ai l'impression d'organiser une colonie. Ouais, donc ça, j'ai entendu en disant c'est genre. J'ai dit, allez, on y va. Ouais, allez, let's go. On est 22, frère. Baiser 22. Baiser. On va faire la soirée juste après. Eh, c'est délicieux, frère. Merci Inox pour tous ces repas. Merci Inox. Je vais payer, mais tu vas me rembourser. Vas-y, bonne après. Bonne les gars. Excusez-nous, on a un défi à faire. En gros, bon, on doit dire on sourit. Inox, et je vous aide. Juste si vous pouvez tous dire après, on va dire pas vrai la team, vous dites oui mon chef. Michou, Inox, on le sait tous, c'est vous les gros. Pas vrai la team. Oui mon chef. Oh les gars, vous avez des trottes. Oh défi trottinette. Oh les gosses. Y'a pas de danseur là. Non, pas lui, c'est un danseur, mais il tape. Ah, tu danses? Non, je danse pas. Derrière, arrête, wesh, arrête. Bon, maintenant, c'est. Est-ce qu'il y a une récompense? Y'a une récompense? Non, y'a zéro récompense. Non, pourquoi il gratte les récompenses? Y'a zéro. Regarde-moi ça, cette course de départ. Voilà où sont les deux. Concurrent numéro 1, numéro 2, numéro 3, ils sont deux, c'est une équipe. Et numéro 4, on est. T'es avec moi, toi. L'allée d'arrivée, c'est au bout. C'est où? Où y'a le pot rouge? 3, 2, 1, go! Oh, go! Patrice, fumez. Ouais, je les frérots ils vont trop vite. Oh les bâtards. Attends, on est claqués, wesh. Dernier. C'est de la triche. Bon, on s'est fait tuer. Eh, vous nous avez tué. Qui a gagné là? Mais on s'est pris une vitesse. C'est lui, il a gagné. C'est toi qui a gagné. Mais il est tout seul. Les amis, il y avait peut-être que 4 trottes, mais en vrai on était 6 participants au total dans la course. Donc c'est carré quand même. Défi validé, je pense. Eh les frérots, merci beaucoup hein. On est en train d'aller dans la boîte de nuit pour faire le DJ set et recaler les gens de boîte. Et là ils nous ont envoyé une story. Je crois que ça se fout de notre gueule là. C'est vous les gros. Oh les bâtards. C'était une soirée. On va en boîte de nuit, on va remplacer le DJ. Remplacer le DJ, on va recaler des gens. On va recaler des gens, mais frérot, il y a personne dans la boîte. Laisse-moi gérer. Oh,
moi d'y aller. Ouais, 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 après je te filme. Ah, ouais. C'est incroyable d'être DJ. Ah, c'est lourd. Ah, regarde-le, regarde-le. Oh, quand tu mets un son, les gens font. On part sur le défi, une course de 30 à 5. Ouais. Donc là on a 5 30 piles. Ça commence là-bas, on arrive ici, c'est la ligne d'arrivée. Les frérots, merci pour tout. Merci beaucoup la famille. Maintenant on va dormir une petite heure là dans un hôtel. Quoi? Je suis KO. On va vendre 3 cocktails, ça fait partie du défi. Oh là là. Frérot, là on va faire tellement de défis. DJ. Oh là on recale. Photo avec 100 personnes. Jardine, on recale les gens. Allez, va prendre. Voilà. Premier cocktail. Et en fait, deux vodka et une. Bah finalement. C'est bon là, t'en as fait 4 là. La meuf, elle peut continuer de travailler. Ah ouais. Vas-y, bah moi je te laisse. Non, non. Bah la soirée, frérot. C'est bon, on a réussi le défi. 3 cocktails terminés. Oh le banger. C'est ouf. Oh le banger. Les abos, on a vraiment grandi avec eux. C'est ouf. Gros, avant ils nous reconnaissaient, ils sortaient du collège. Là ils sont en boîte, ils nous reconnaissent. C'est aberrant. Nous, il m'a appelé. Oh les gars, il y a Dinor qui arrive. Ça va faire la photo avec Dinor et les 100 personnes. Ouais. Gros, recale tous ces poteaux. Faut recaler les 5 personnes. Ok, là les frères, on est arrivé. Il est quasiment, je sais pas, je crois qu'il était à 2h du mat, un truc comme ça. On est arrivé à un lieu d'escape game. Y'a pas du tout. On est arrivé à un lieu d'urbex pour le défi, faire un urbex en caleçon. Bon déjà frère, celui qui a fait le défi, il a 14-15 ans grand max. Mais bon vas-y, on se prête au jeu. Et en fait là on est arrivé, le lieu est incroyable. On est dans Prison Break hein frérot. Enlever la chaîne elle. Imagine il l'enlève. Je suis en train de l'enlever. Tu feras celle juste au-dessus après. Quelle au-dessus? Merde. Mais en fait, comment tu comptes l'enlever? Parce que c'est là, ça tient par ça. Si c'est enlevé là, ça va tomber ici, il y aura du jeu là. On peut l'ouvrir encore plus. Mais frère, t'as eu le cul que t'as, cousin? En plus, il y a un donut. Faut arracher le grillage, là. C'est, là, il y a des risques de GAV, il y a des risques d'agression. Sûrement avec Michou, ils doivent être en train de faire BZ22, BZ22 et ils gagnent des points. Ah, il y avait toute l'équipe, ça va. Vous avez fait quoi, tranquille. Comme ça, je me fais recaler, vous me filmez. Hein? Ouais, exactement, on va te recaler, on mon ref. On va te recaler. C'est nous les videurs maintenant. Là, on doit recaler 5 personnes après. Ah, pour me recaler? Non, non, non. Mais nous, on doit faire une photo avec toi. Vas-y, vas-y. Bon, vas-y, on fait une photo, ça fait plus. Allez, plus 2 points, je crois. Allez, hop, un défi. Énervé. Recale, recale. Vas-y, je peux là? Vas-y, vas-y. Bonsoir. Vous pouvez pas, les gars. Donc toi, je suis une. Non, chouette. Ouais, mais vous pouvez pas les gars. C'est quoi cette dinguerie? Vous faites quoi ici? Vous pouvez pas rentrer là. Vous êtes combien là? Vous êtes combien? Ah non, on est pas vrai. C'est dinguerie, c'est dinguerie. Est-ce que vous pouvez aller derrière la file? Il y a des gens qui attendent, les gars. Bien sûr, oui. Quand on verra après, on verra après. T'es en charge avec lui des physios. Chanté. Masqué comme Michou. Ok, au calme. Mais là, ouais. Juste toi, t'as de la répartition. Je suis jaloux là. Vous êtes 4. Vous êtes 4. Il faut un quota de femmes dans la boîte, ça va pas le faire, les gars. Ah ok. Il y a trop de mecs et pas assez de femmes. Mais d'où? Après, si vous êtes des vrais, vous restez avec elle. Hein. Bah, d'ouf, mais c'est quoi? Bon, bah, bonne soirée, les gars. Bon, bah, bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, tu fais visio? Mais tu sais qui l'a pas fait? Hop là, un donut. Ça y est, t'étais au sol, non? Il se tient encore? Mais tu l'enculé, gros! Tu t'enculé, il s'est passé quoi? C'est la merde! Mais tu lui as fait un 619! Je vais vous aimer la scène. Vous travaillez avec eux là? Ouais, on va essayer de faire tranquille, ouais, on va essayer de faire. Ah, il gère ici lui? Ok. Ah ouais, bah c'est gentil. On va juste visiter et après on part. Merci beaucoup, bonne soirée. Eh non, tu rentres pas. Tu rentres pas, frérot, tu rentres pas. T'es pas adéquate là. Et toi, t'as. J'avoue. Comment ça, mon ref? Non, vas-y, rentre, t'as le droit. Merci. T'es mon gars. Merci. Toi aussi, t'as le droit. Et maintenant, on va dormir dans les catacombes de Paris.
Parce que vous êtes deux fous. J'espère que vous avez moulé. Attends. Michou, c'est parti, direction catacombe. Attends, là on va direct catacombe ou on essaie de s'incruster à... On essaye de s'incruster à une soirée. Et les deux heures du mat quand même. Hein. Ça va être chaud. Avant de dormir là, on doit savoir tout ce qu'on fait demain matin. On se lève vers 7h. Les gars, demain matin, on a encore tellement de choses à faire. Il arrive. Il arrive. Ouais. Ah non, on fait quoi? On court là-bas? Non, on ressort. Attends, mais il a ramené les chats. Frère, il m'a appelé la police là. Non, Vite, il vient d'arriver sur la route. Ouais, le spot frère. Ouais, on l'a niqué là frère. Les gars, c'est quoi votre chaîne? Gabriel et Corentin. Oh là là, les deux cracks, putain. Ça va ou quoi? C'est vous les malades dans l'histoire, hein, ça? Ouais, mais les gars, il est quand même 2h30 du mat. 2h30 et on doit dormir dans les catacombes. Et vous êtes venus nous faire un tuto catacombes. Ah ouais? Ah ouais? Attendez, on vous a pas dit, on doit y aller en caleçon. C'est vrai? Ouais, c'est inondé. Comment ça, c'est inondé? Ah, mais il y a de l'eau dans les galeries. Mais les gars, on doit dormir dedans. Mais attends, on va pouvoir dormir dedans? Quoi, mais c'est quoi ce passage là déjà? C'est la petite ceinture de Paris. Mais tu peux tomber là? C'est la petite ceinture de Paris, c'est une ligne de chemin de fer qui fait tout le tour de Paris. Ok. Elle est abandonnée, on va dessus, il y a un tunnel, dans le tunnel il y a un trou, dans le trou on est dans les catacombes. Wouah, mais demain on va pas ressortir nous. Il y en a pour longtemps? En vrai, en une heure c'est réglé. Ouais, juste comme ça. Et t'as un petit, tu vois là, je suis posé, tu vois. Un petit rebord, tu vois. Ouais, ça va, c'est calme. Tu vas où? Et après il y a des escaliers. Wesh. Bon, ça va frérot, tu vas faire l'Everest. Ouais. Mais les gars, c'est quoi les catacombes? Vous pouvez nous dire ou pas? C'est des anciennes carrières de pierre sous Paris, je crois, qui étaient utilisées. Tu creusais de la pierre avant et construis les bâtiments de Paris avec. Et après, ça a été utilisé à une autre fois. Ah, enfin quoi? Ils ont mis les squelettes. Ils ont mis les squelettes. Des gens? Ouais. J'ai mangé un six-son aille dans ma daronne. Tu sais, c'est le fait que le mec il nous parle, mais ça oui. Nous a retardé. Bah oui. Et ils nous ont vus. Mais c'est Manas, il prend trop de temps. Vous faites la courte échelle. Mais c'est là de cousin. Mais elle est à qui cette maison? Il surveille quoi? Mais je sais pas, frère. Putain, je suis dégoûté. Dans un rêve, je vous jure, j'ai envie de dormir dans un lit bien douillé. Dans un hôtel. Je l'ai vu sortir parce que du coup, j'étais vraiment comme ça. Mais tu sais, il est trop courant. Il a mis son gilet et tout. Mais oui, frère. Grosse light dans ma gueule. Et là, il fait. Et là, il a deux chiens comme ça, avec la lampe dans un bras comme ça. Il est arrivé, frère. J'étais en mode, on va se faire tuer, frère. Non, mais j'ai mort. En fait, je vois pas dans quel scénario on s'en serait sorti en mode, on discutait avec lui, on s'en va. C'est sûr, il allait nous tenir et. Ah oui, là, il a appelé les flics. Allez. Là c'est le tunnel du coup. Oh. Ah oui, c'est un tunnel. Wesh. Ah, il finit pas le tunnel. Mais bon, on est dans GTRP là. Ah. Tu te fous de ma gueule. Non, vous foutez de ma gueule là. On va pas dormir non, dans mais ça. C'est vraiment ça. Non mais c'est grand derrière, hein. Enfin, genre il y a des dizaines de kilomètres mais de galerie. Mais ça peut pas s'effondrer. Au début c'est un peu bas, t'es un peu accroupi, mais après t'es direct debout. Mais ça peut pas s'effondrer. Mais non, non. Quoi, ce bordel? Non mais hé, Mich. Frérot, si t'es claustro, t'es dans la merde. Non, non, après c'est plus grand, t'inquiète. Oh là, c'est un cri. Mais non, pas sur moi, ça va? Mais oui, ça va, il va en pleine forme là. Eh, parle pas trop, ça va s'effondrer. Non. Ah, mais c'est minuscule. J'aurais dû envoyer un message d'adieu à ma daronne. Pour le moment que notre aventure, c'est un fiasco sans nom. Je pense vraiment qu'on a tout échoué. Sort, marche. Ah, vous êtes complet? Ouais, c'est vrai. Frérot, je sais pas, là, j'ai plus rien en stock, je peux rien te proposer. C'est la police, oui. J'y croyais pas, je jure, je me suis retourné. Je vois comme âge. On n'a plus aucun hôtel, on est mort dans le film. Tu filmes fils de pute là? Je te dis que ta mère. Ok. Mais là, je craque, j'en peux plus, je vais aller dormir. J'ai trouvé un hôtel de baiser, c'est pas dispo. Une chambre de 33 mètres carrés. Oh vas-y, let's go, vas-y. Non mais mon Uber il est genre, il y a les lumières sur la voiture, là, il arrive là. Il est où? Quand je suis trop éteint comme ça. Ta gueule. Je pars. Eh gros, à 11h demain t'es là? Ouais, je serai là. Tu vas me laisser tout seul. Non frérot, je vais t'en vouloir si tu veux. Frérot, faut qu'on débriefe tout ça. Oui, faut qu'on débriefe, c'est pour ça qu'il faut que tu sois là. Bah là, non, j'allais checker Mana, je suis en fou. Vas-y les gars, vas-y frérot, pardon. T'es vraiment une grosse merde, Billy, c'est un truc de fou. Il se barre, il est déjà barré le gars. Oh mec, nos chaussures elles sont mortes.
Attends, je vais essayer de marcher. En plus, je t'avais prévenu, hein. Michou, je t'en... Non, mais t'es foutu pour eh la mais suite. Attends, mais là, faut qu'on retienne le chemin. Ah oui, mais ça, on s'en occupe, nous. T'inquiète, j'ai une carte. Mais vous allez pas dormir avec nous. Non, mais on trouvera un moyen, t'inquiète. Au pire, dormez avec nous, hein. Pourquoi tu te grattes les couilles? Mais les gars, dans tous les cas, vous marcherez dans l'eau après, hein. Ah ouais? Ah non, mais oui. C'est carré. C'est une singerie où on est, hein. Ouais. Mais c'est interminable. Non mais vous vous rendez pas compte de la taille du truc, hein. Mais j'ai juré, on est dans les backrooms. Mais gros, imagine, il y a un truc, on voit un truc face à nous. Oui, je meurs là. Ah mais j'avais pas compris. Mais frère, mais oui, c'est de l'eau. Mais gros, c'est une piscine là, le machin. Mais les gars, moi ça y est, je mets en caleçon, c'est bon. Bah vas-y, parce que moi je vais me mettre en caleçon. Sinon je vais tremper mon pantalon et tout. Bah, les gars, caleçon dans les catacombes, ça a jamais été fait. Eh mais on devait assister à un porno. Non. Comment ça, mon keuf? Ça veut toujours s'arranger, hein. Oh le plan. Vas-y, on est le bestiaire. J'avoue, je l'avais pas vu venir à ce point-là, le cibar celui-là. Qui n'en reste qui est bloqué? Bah ça serait trop relou, hein. On mangerait le plus d'odu en premier. Eh, c'est loin la salle. Ça dépend ce que c'est loin pour toi. Oui, c'est combien, genre 30 minutes? Ouais, 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ça. Regarde ce plan, genre. Oh le plan de zinzin. T'es prêt, j'y vais. Allez, go. Oh sa grand-mère. Oh, elle est fraîche, hein. Ah mais toi t'as tes chaussures. Oh non mais pieds nus, elle est gelée. Eh les gars, dépêche-toi une autre. Ah c'est gelé. Et ça c'est que l'échauffement, hein. Comment ça c'est que l'échauffement? Là en gros pour l'instant on va tout droit jusqu'à qu'on trouve la rue de la Voie Verte. La rue de la Voie Verte. Et on ira tout droit après. Ouais, ouais. T'inquiète, y'a des panneaux avec les noms de rue en fait. Jure. Ouais. What the fuck. Ah oui, si on est sur. Ah genre là on est dans une petite ville là. Ah wesh. Ah Carrément, comment il a flippé sa mère. Mais gros, le pire c'est que je t'ai vu, c'est ça le pire. Et là regardez, c'est la rue. Ouais, c'est quoi ça? C'est la rue machin truc, c'est l'un des couloirs principaux, tu vois. La porte cercueil. Allez. Allez, let's go. J'ai trop la rage, moi. T'es mal vu, doit s'abaisser, doit faire attention. Allez, moi je suis là, je suis en pleine détente. Et Inox, il court carrément. Il est malade. Il est complètement fou. Mais non, l'abandonne mon rêve. Le mec là il est vraiment baisé, genre. Il a abandonné en skibar dans les catas, genre. J'aimerais bien savoir, ils font quoi les autres pendant que nous on est dans ce putain de trou. Je vais appeler Inox ou Michou là, je vais leur dire que Billy nous a galéré comme ça. Mais en vrai, au point où on est, pourquoi on dort pas dans le studio d'Inox? Parce qu'on a pas les clés, comment je rentre? Et parce que, on roule 7 minutes et je suis chez WAM. Mais quelle heure là? 3h. Il dort 100%. Ouais, je pense qu'il dort. Ouais, ils ont déjà fait 65 défis. Ils sont à 268 points. Tu te rends compte que ton mate, il est parti, genre là, regarde, t'es tout seul. Tu vois, si t'étais pas là aujourd'hui, là je serais solo là. Il m'aurait laissé solo. Tout le monde me laisse. Tout le monde me gueule. Non, ma naze. Y'a ton Uber? Tu rigoles? Tu te fous de ma gueule? Let's go, frérot. Moi, en tout cas, depuis le début, je suis en live sur TikTok, c'est un régal, hein. Non, mais dans les catacombes. Il croit vraiment. Ouais, c'est vrai, y'a combien de personnes? Non, mais ça se voit, c'est des chiens. Je crois que c'est des gens. C'est la cascade. Eh vas-y, rentre dans le jeu, frère. Ah, ils ont voulu nous baiser. Si on voit une cascade, c'est un point. Ça ah, c'est ça. Ça m'étonne avec ça. Comme allez hop, plus un point, les gars, c'est validé. Non, c'est pas ça. Oh, la cascade de fou. Là, c'est le passage un peu chiant, Michou. Non, bientôt, ouais. Ah, je déteste ça. C'est le passage claustro. Mais lui, il dit qu'il déteste. En gros, c'est juste qu'on va devoir se balader à cette hauteur-là. Ouais, c'est juste qu'en vrai, c'est intense, tu vois. Du coup, ça te donne grave chaud. C'est genre 100 mètres, tu vois. Ok, go. Il est debout, les gars. Juicy, il s'accroupit pas là, les gars. Le plan, il doit être trop drôle. C'est quoi? Non mais là ça fait flipper, frère. C'est là où la sortie. Eh, imagine, tu montes comme dans Mario. J'avais des triple jump. Ouais, tu jumps sur les murs. En vrai, ça s'escalade, ça. Ta gueule. C'est là. Comment ça? What? Y a une silhouette humaine taillée. Oh non, ça fait bader. C'est le golem. Il a été baptisé. Mais frérot, il croit vraiment, il est dans Minecraft. Il a fait un golem de fer. Mais ils sont starbés ici. Non mais attends, on va dormir là. Ah, mais tu vas voir la salle d'ailleurs. Premier degré, j'ai peur. Mais gros, il fait... J'avoue, super. Ouais, c'est des bancs et tout, mais attends, c'est le duplex là, c'était où on était tout à l'heure, mais super. C'est quoi? Oui, c'est une serviette. Non, ça fait flipper qu'il y ait une serviette. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va venir. Là, il y a quelqu'un, il est parti dans son salon, il revient. Eh, les gars, il s'est pissé dessus. Ouais, je suis pas mateur, toi. Je suis pas mateur.
que j'ai failli tomber dans l'eau et il y a des gouttes qui ont. Allez, on va foutre. Eh, je me suis pissé dessus, je vous baise. Ah, ça, c'est le meilleur endroit pour dormir. Ici, là? Ouais. Moi, je vais prendre mon gilet, je vais dormir. On va peut-être se rhabiller là, ouais. Le plan, il est miteux. Eh, Michou, moi, je dors. J'essaye de dormir au moins une heure pour valider le défi. Je crois que la nuit fut très courte. Et frère, comment tu ronfles, gros? Ah ouais. Mais attends, ils sont là, les gars. Eh, les gars. Oh. Oh putain. Putain, ils m'ont fait peur, gros. Moi, frère, on t'a. Ah, la gueule. Ça va, moi. On monte. Enfin, dehors. Ah. Ah. Putain, les mecs, GG. Hein. Ah, bien joué, les gars. Bien joué, les gars. Très fort. Bon, rendez compte que vous avez dormi avec un tacon, hein. Ça va, poteau? Oh, le plan de... Oh, le plan de Zaza. Là, les gars, topo, il est 6h du mat. On va foncer prendre une douche. Ouais, là les gars, c'est petit moment confort de la journée où on va à Webedia. On va prendre une douche, comme ça, on peut aller à la salle d'escalade à 7h à l'ouverture. Et on reprend les défis de 7h à 11h. Y a pas de ralentir, frère. Y a pas de ralentir. Salle d'escalade. 7h du matin, on va taper une piste bleue d'escalade. C'est aberrant, frérot, les 7h du matin, tête dans le cul. Frérot, y'a pas de ralentir. Y'a pas de ralentir. Toi, tu dois faire ton salto, moi je dois monter la piste bleue. Alors, c'est comment? Bon, frérot, faut que j'en choisisse une. Donc, pour valider une prise d'escalade, faut que je mette mes deux mains sur celle qui est tout en haut. Okay. Tant que j'ai pas les deux mains, on peut pas la valider. Ok, parce que les gars, du coup, il peut prendre que des trucs bleus. Celle-là, tu vois? Celle-là, tu penses, celle-là, tu peux? Faut que je commence les deux mains ici et le pied là. Faut que je commence comme ça. Là, tu commences là? Bon, le monstre. Les gars, sachez que c'est ultra dur. Pour avoir déjà essayé une fois, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on voit. T'es bien, frérot, t'es bien. Tu dois mettre tes deux mains sur la bonne prise. Ouais. Putain. Oh, le goat. Oui. Oh, le goat. Oui. Oh, le goat. En vrai, t'as géré deux ans. Oh, let's go. Ok, tu me fais le salto? Salto arrière, impressionne-nous, impressionne la commu. Vas-y gros, tente, allez, tout pour le tout. Oh, oui. Alors là, c'est complètement... Oh non, prochain défi. En fait, c'est qu'en partant, avant de sauter, je me suis dit, c'est une mauvaise idée, j'ai plus de force. Bonjour, ça va ou quoi? Vas-y, vas-y. Ça va ou quoi? Tranquille. Ouais, je t'ai pété ton écran. Là, ouais, j'ai un peu défoncé. Et ton téléphone, il est mort, là. Mon téléphone, ouais. Mais faut le changer, là. Ouais, faut le changer, gros. Faut le changer. Michou, sors mon passe Navigo. Sors mon passe Navigo, Michou. Il y a le bus, là. Sors mon passe Navigo. Ah ouais, putain, merde. Eh vas-y, hey, frérot, tu galères trop à faire les selfies. Désolé, tu feras de meilleurs selfies avec ça. Wesh. C'est offert par Inox, c'est cadeau. Frérot. Wesh, les gars, sérieux? C'est cadeau de la maison, frérot. Wesh. Au moins là, tu vas avoir un vrai bigot, frérot. Non, les gars, sérieux? Ouais? Mais je vous kiffe, les gars. C'est gros, le truc le plus frérot, improbable. C'est incroyable. Je suis une dinguerie. Bon, on a dit en plus, on voulait un abonné qui avait un écran cassé. Ouais, ouais, et c'est tombé parfait. Sur nous, frère. Les gars, je vous kiffe, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, frérot, bonne journée de cours alors. Merci, merci. Frérot, il va en cours à 8h du matin et il a dernier iPhone. Ouais, rentre, tiens, iPhone 14. Les gars, je compte tellement. Merci les gars. Normalement, voilà. T'as la meilleure journée de cours. Je t'en fous, tu finiras à 18h. Ouais, là. Vas-y, un bonne journée. Bon, va jouer au loto là. Avec plaisir. Vas-y, tchuss, t'inquiète. Salut. Frérot, c'était le gars parfait. Écran cassé. En plus, il était trop fan. Il arrivait pas à faire de selfie. Il était un peu stressé et tout. Il arrivait pas. Il était trop gentil. C'est carré, ça me fait plaisir. Et tu vois le mec avec le truc fluo? Tu veux que je lui fais la capote ou pas? Moi, je suis en caméra cachée. Ah, frérot, t'as fait tomber un truc. Non, non, mais je te jure, c'est tombé ta poche. C'est pas toi, taille small. C'est tombé ta poche, hein? Non. T'inquiète, frère, moi aussi, c'est taille small. Ah, tu me connais? Ah, oui. Mais du coup, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, on te dit pas. C'est pas à moi, frérot. T'inquiète, bonne journée mon gars. Attends, je rêve où il a pris la capote en mode. Il s'est dit, ah ouais, c'est peut-être à moi en fait. Je sais pas. Non, en vrai, je crois qu'il a pris la capote en mode. Mais j'ai envie qu'il me laisse tranquille. Parce qu'il a pris la capote, il a dit, c'est pas grave. Là, on a préparé 5 défis qu'on n'a pas réussi à faire hier. On va aller à Orgeval pour les faire. Normalement, le masseur il m'a dit oui, c'est bon. C'est sûr. On va aller au masseur après. Oh bordel. C'est qui masque? On fera un pierre feuille ciseaux. Ouais, on fera un pierre feuille. Putain, j'espère l'accueil être reconnu. On aimerait dans une vidéo ouais. faire un appel au micro. C'est quoi l'appel? On dit je voudrais des deux notes sucrées au sucre.
vous dites que ça. Hein. On dit que ça, je vous jure. Je peux leur donner le téléphone. Oh, incroyable. Hein? Ça marchait bien? Mec, c'est incroyable! Et le pire, c'est gros. Quand tu l'as dit, j'ai tourné la tête. Il y avait un mec un peu âgé et tout. Ouais. Mais vraiment, il avait. Il a pas compris, gros! Incroyable! On a d'être ça, Orgeval, je t'ai dit, c'est des craquages. Putain, 5 points, frère! À Paris, y'en a aucun qui a voulu qu'on le fasse. Golf de Vilaine. Allez, on va taper un petit. Ouais. Un petit 100 mètres. Le 100 mètres, il est quand même. Bien loin! Wesh! Oh putain! Allez. Mais gros, c'est super. Mais oui, frère, c'est hyper chaud. Je faisais semblant, je vais plier ça là. Je mets mon maillot de Chelsea. Oh, bah voilà, t'as dédicacé par N'Golo. Mais non. En vrai? Le vrai? Oui. Oh! Oh! Wesh! Oh! Wesh. Oh! Oh! Frérot, elle y est là. Mais elle là, y est pour là. Moi, il y a 100 mètres, hein. Frérot, sûr. Elle prends la charrette, prends la charrette. Prends la charrette. Frérot, regarde, elle est pile à 100 mètres. Alors en vrai, s'il faut être honnête, elle est un petit peu avant les 100 mètres. 99. Non, 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 parce que elle est un petit peu avant la ligne. Sauf que ça fait un arc de cercle. Elle est inclinée, donc ça fait un arc de cercle. Ouais, ouais. Donc elle est à 100 mètres. Elle est à 100 mètres, frérot. Incroyable. Let's go. On bombarde. Allez. Salon de massage. Ah putain, buisson. On le fait là vite fait. Mais faut pas que tu te fasses mal. Hein. Tu crois que ça fait mal? Je te saute dans ça en caleçon, ça fait pas mal. Okay, hein. Bah vas-y, je t'en casse. T'es un bâtard. Bah, non, saute dans l'huile. Ouais, lui. C'est un vrai buisson. Mais ça fait pas mal, frère. Vas-y, bah go alors. Frérot, y'a que des golfeurs. Il est là, il va se mettre à walp. Oh merde. Il se met à walp. Oh, merde. Mais il est fou ce mec. Devant, y'a plein de golfeurs. Frérot, fais le plongeon de la vie. Je le fais sur le dos. Vas-y. Oh! Ah, ça tue sa mère, gros! Non, 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 non! Bla, bla, bla. Non! Aïe, y'a des chagrins! Aïe, aïe, aïe! Défi validé! Allez, ciao! Mais par face en WAP! Allez, ciao! Mais frère! Mais qu'allons-nous faire, Inox Tag? Petit massage! Là, y'a un basic fit, mais y'a une salle cachée! Parce que je connais le gars, moi, je fais ma muscu. Ok! Genre là, là, regarde, genre. Ah, privé ostéopathe! Genre, c'est l'ostéopathe caché, genre. Mais non. Ouais, je t'avoue quoi. Yo les gars. Tranquille. Yo. Ça va? Comment ça va? C'est le crack hein. Ouais. À chaque fois. Bon frérot, c'est simple. Je dois mettre torse nu. Pourquoi c'est toujours toi qu'on me voit? Ça prend le temps les gars. Ça peut être toi. C'est toi, tu je te masse. Tu veux? Non, je vais te masser, okay. T'inquiète. C'est jusqu'à je vais te masser. Oh là là, Inox. Allez, je commence à mettre de massage. C'est réel. Ça c'est un vrai truc de masseur. Alors là mon pote, t'es prêt? L'ambiance elle est. Ah, l'ambiance elle est bizarre là. On a passé une bonne journée. En plus il masse bien, il fait ça, on dirait que je suis Elsa frère. Arrête, arrête parce que je vais commencer à imaginer que t'es Elsa et... Mais arrête wesh, t'as un Mais frérot, mais attends, c'est sûr toi tu fais Elsa tous les soirs. Pourquoi frère? Frérot, toi ça se voit t'es un canard, tu la masses tout le temps. Non. Si, il connaît les strates de massage et tout. J'ai juré qu'on est les strates de massage. T'es en train de kiffer là. Ouais, je kiffe. Ouais, c'est bon. Eh, on a respecté le défi là, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a respecté. Eh, c'est bon, on a respecté le défi, frère. Il s'est relevé parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en train de kiffer là. Bon, bah, si, merde, t'as assuré. Vas-y, mon gars. C'était le dernier défi. Bien joué, Mich. Mec, dernier défi validé. Aller, maintenant, bombarde à web. C'est ce qu'on appelle un timing de timing parfait. Ikea. Wesh, le bolos. Bah, attends, mais t'es tout seul. T'as perdu ton pote. T'inquiète même pas. Il est 59. Si dans 2 minutes JC il est pas là, c'est mort, c'est pénalité. Pénalité de combien? Bah c'est 5 mois. Même avec une pénalité, on vous éteint quand même niveau quoi. Bouah. Frérot, c'est impossible. Frérot, t'es trop confiant. Toi, t'es un mec qui a dormi un peu. Nous on est des mecs, on a pas dormi beaucoup. Frère, regarde nos cernes. Ah mais il est là. C'est bon, 4 minutes de retard. 4 minutes de retard, 4 points de retard. 4 points de retard, 4 points de retard. Comment? Eh frérot, par contre, la tête de homme, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Franchement, vous êtes ouf là. J'ai l'impression que c'est pas depuis 7 jours. Mais eh les gars, on a passé tellement une journée de zinzin que votre POV, j'ai trop envie de la voir. Je suis curieux de voir. Mais tu sais, vous m'avez appelé à 5h30, j'ai aucun souvenir. Ah ouais? J'ai répondu et tout, j'ai aucun souvenir. Ouais, t'as répondu, mais t'as raccroché instant. Ouais, je me rappelle de rien. Tu sais que, tu sais, à l'épisode 1, hey Inox, épisode 1, vu qu'on s'était appelé en FaceTime, on s'appelle. Ouais, là, on s'est jamais appelé, frère. On se demandait trop. Là, c'était mieux que l'épisode 1. Il y avait des meilleurs défis. Ah, et ouais, nous, on en a fait beaucoup. Mais bon, on s'est régalé en vrai. Ok, les gars, j'ai compté des points. Du coup, les gars, la team Billy Gilsy, au total, vous avez 68 points. Ouais, c'est pas forcément. Team Inox Michou, du coup, je vous retire 2 points pour la cascade parce que
Ça fait 92 moins 2, ça fait 90 points. C'est que je vais sur YouTube ce matin. Regarde, je suis connecté à quel point. T'as juste speed. Il a oublié de se déconner. T'as juste speed. Il a lâché le ventre. Non. Il s'est pas déco, frère. Il a oublié de se déconnecter. J'ai fait le pompon. Faut que tu passes une dinguerie. Eh, le plan d'une vidéo, c'est que Ace sort de marcher, genre. À tout moment. Il renomme la chaîne Inoxtag, c'est le premier youtubeur français. C'est vrai. C'est vrai, regarde. Je peux aller voir là. Non, il a 16. Je vois tout. Tout la tienne, c'est tout. Non, je vois pas les années. Non, vrai, mets pas tout. Non, mais on voit pas. Mets une vidéo juste de Ace en train de marcher. Genre, ça fait une petite musique, gros. Mais gros, le vrai truc que je trouve hard, c'est que, genre, il a même pas pensé à se déco. Mais il fait la base. Gros, quand t'as les gars, il y a son compte. Quand t'as une chaîne YouTube, c'est la base. Je peux passer en direct. Les amis, sur ce, j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo. On a kiffé de ouf, hein. On a trop kiffé. On s'est fait exploser, mais on a kiffé. Non, mais franchement, moi par contre, en vrai, merci les frères, t'inquiète. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une journée comme ça. Non, franchement, c'est ce que je disais hier à Abby. Je disais, j'avais pas fait une journée comme ça depuis mes 17-18 ans. J'avais pas fait une journée soirée comme ça. En fait, pour rire sur Paname et tout, c'est trop drôle. Après, l'urbex comme des gamins. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que j'aurais aimé qu'on passe plus de temps à 4. Après, peut-être que l'épisode 3, si les abonnés sur le site Dodo vous mettez des vrai défi, on peut faire un 4 contre 4. Ah, c'est les défis, c'est les abonnés là ou c'est. Ouais, les abonnés vont en proposer. Ah, les prochains. 4 contre 4, ça va être bordé. On peut, tenter un épisode 3 en mode vraiment. Non, on est chaud. 4 contre 4. C'est pas qu'on est plus, ça va être dur de faire mieux que ça. Au contraire, je pense. Bah, en tout cas, merci les gars, merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo. Merci à toi, frérot. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, vous abonner à tout le monde. Merci au Dou d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, passez une bonne soirée, passez une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.